Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Mario Kart Wii, tranquille au calme. Oui, j'ai encore la tête dans le cul, c'est parce que je viens de me réveiller. Ok, donc ça a marché les paramètres, on va faire la coupe, la coupe là, celle qu'il y a à faire là. Alors, on va jouer Peach. On va jouer Peach dans quoi? Un truc à du dérapage. J'ai déjà fait un game, on va faire avec Mario Kart standard. On va faire la coupe foudre. Coupe éclair. Elle est dure celle-là. Cette carapace verte, elle m'inquiète. Parfait, j'ai les meilleurs objets qu'on peut avoir en première place, les triples bananes. Je fais mes dérapages tranquille au calme. Faut que j'apprenne à commenter pendant que je joue. Mais moi, quand je joue, je suis concentré sur le gameplay. Ouais, y'a que le gameplay qui compte. Regardez-moi ces dérapages à la Fast and Furious. Ouais, mon frère. Ouais. Je leur mets session. On va calculer un virage. Il y a Todd qui m'a rattrapé. Bon, ça va, j'ai assez d'avance. Mais c'est ça que j'aime pas avec Mario Kart Wii, c'est que c'est un jeu un peu injuste. Tu peux faire une très bonne course tout le long de la partie et te faire tabasser juste devant la ligne d'arrivée, juste avant la fin, et terminer dans les derniers. Ah, ce jeu, combien de fois je l'ai fait? Je l'ai fait 2 fois. Là, c'est la 3e fois que je l'ai fait. Je suis content que l'émulateur il marche. On est sur mon terrain. Bienvenue chez moi les gars. Alors ici c'est le jardin des Chops. J'ai fait une petite statue à l'effigie de Mario pour montrer à quel point est-ce que on est des gens humbles. Ça sert à rien de garder les trucs rouges derrière soi parce que les trucs rouges derrière soi ça protège pas. Donc autant les mettre sur le terrain. Bon là je sais que c'est plus rapide de passer par la droite mais j'ai préféré prendre le virage. De quoi se protéger de la carapace rouge. Ça m'arrange pas, ils vont me rattraper plus facilement, les gens derrière moi. J'ai oublié que pour ça, il fallait appuyer sur le bouton de cabret. Quand on aura fini toutes les coupes en 50cc, on refera celles sur lesquelles on n'a pas eu l'étoile. Bon, on n'est pas en train de faire une perfect run, mais on apprend petit à petit à en faire. Parfait. Montagne des cas, l'un de mes circuits préférés. On va pouvoir essayer de faire le passage secret. Ça va m'entraîner. Parce que ce jeu, j'ai envie de le faire en ligne. Tous les jeux que je fais, de toute façon, j'ai envie de les faire en ligne. C'est juste que j'allais mal hier soir. J'étais en manque de shit. J'arrive, c'est qui? Ah, Nakib, t'es sérieux? Tu viens à 1h du matin? J'ai un mec qui est venu à 1h du matin pour me gratter. Pour me gratter, le mec. Il a que ça à faire, t'imagines? On serait dans un appartement, dans un immeuble. Le mec il toque chez les gens à 2h du matin. Ouais, vous auriez pas du sel, s'il vous plaît. À 2h du matin. T'as le droit jusqu'à 10h. Jusqu'à 21h30 même. Après, tu laisses les gens tranquilles. Il est facile. On va laisser quelques pièges, ça va les ralentir. Parce que c'est des bottes en facile, ils vont se les prendre. Et avec le canon, je suis protégé des carapaces rouges. Oh, j'ai esquivé la foudre. Oh là 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 là. On va leur mettre le giveaway. Head away. Breakaway. On fera aussi les contre-la-montre. On va faire le jeu dans son entièreté. Et une fois qu'on aura fini, on fera le... J'achèterai la Wii. Je connais le magasin. Je sais quelle Wii il faut. Je partirai... J'ai voulu faire genre je le prends en virage, mais non, ça n'a pas marché. Faut que je ralentisse, faut que je fasse ça. Voilà. Là, j'ai réussi à le faire. Juste lâcher le bouton accélérateur. Ensuite, je m'entraînerai à esquiver les carapaces bleues. Encore esquiver la foudre. La foudre est de mon côté. Ah, super. Plus qu'une seule course. On sera sûrement sacré champion. Je vais laisser laquelle. Ah, c'est du Marneur de Bowser. Elle est bien aussi celle-là. Elle est longue, mais elle est bien. Dans le 50cc, ça entraîne. Là, j'ai des bons objets. On va les garder. Je vais m'entraîner à prendre un autre shortcut. Non. Ah, il est pas si simple que ça à prendre, hein. Quand je regarde mon youtubeur le faire, là, mon youtubeur préféré du moment, ça a l'air d'être facile. Mais en réalité, ça ne l'est pas. En plus, le crash flamme, il a de la vitesse, j'arrive pas à le rattraper. Heureusement que le virage, je le prends plus serré. J'ai raté toutes les caisses. On estime des pas, j'utilise la carapace rouge. Là maintenant c'est Bowser qui est derrière moi. C'est lui le boss de son château. Je vais peut-être jouer F0 aussi après. Là je me sens d'attaque, le cerveau il travaille là. Là je vais réussir à le prendre. Ah, j'y étais presque. Je suis trompé de touche encore, j'ai voulu jeter en arrière l'objet, j'ai appuyé sur flèche du bas. En fait, il faut que je jette en arrière et que j'appuie sur flèche du haut. Et on y est, on a réussi. Oh, je suis au moment décisif. Ok, entraîner. Ah, il y a plein d'entraînements à faire. Même si la foudre est de mon côté, il y a encore pas mal d'entraînements à faire pour maîtriser le jeu. Oh là là, je pensais pas. Hein. Je pensais pas que je découvrirais un sur Mario Kart Wii, un Mario Kart Wii. Ok, parfois on a gagné la coupe foudre. Ils avaient tout ce que ça à faire aujourd'hui. Dire voir la prochaine speech à son château, monter sur le podium avec des drapeaux de son mari. Respectez-moi, bande de... Comment ça s'appelle? Bande de roturiers. Ouais, je vais faire une petite pause clope et on va enchaîner avec une deuxième coupe. Allez, c'est reparti pour plus de courses sur Mario Kart Wii. Déjà, je vais voir où j'en suis au niveau des coupes. Je vais voir où j'en suis au niveau des coupes. Qui a quoi? On va faire la coupe spéciale quoi qu'il arrive, mais je veux savoir quelle coupe il me reste à faire. On va faire avec Gigi Kong, on vient de le débloquer. Ouais, mais on n'a pas débloqué une nouvelle voiture. On va voir avec Koopa. Voyons voir. Ceux qui ont du dérapage, le kart standard. Voyons voir. Il me restera la champignon, la carapace, la banane, la feuille et la étoile à faire. Plus peut-être la spéciale. J'ai besoin de jeux qui m'aident à me détendre l'esprit le matin. C'est des jeux avec lesquels tu te dis « Ah, la vie c'est pas si dur ». La vie c'est pas si mal. Allez, c'est parti, les courses elles sont plus dures. Oh, je me suis fait pousser par une étoile. Ça commence mal. Mais ça va, les voitures elles sont faciles à rattraper. Toujours pas d'objet, mais c'est pas grave. Ah ben en fait si, c'est grave. Ah, j'ai raté le saut. Oh, je l'ai eu avec le rebond. Oh, tout ça pour me prendre une bleue. Il y a du challenge dans cette course. Et pourtant, j'ai appuyé sur la flèche du haut pour... Bon là, là il va falloir que je fasse la remontada là. Mais vous, ça vous fait du bien un peu de difficulté pour Riger D Hades. Dans la ligne droite. Toi tu dégages. Ah, je vous ai raté, vous avez de la chance. Ça va, on est à la première place. Pas de carapace bleue cette fois. Il va falloir qu'on ramasse un objet pour se protéger. On est déjà au deuxième tour. J'arrive pas à faire les low tricks, hein. J'ai réussi à faire le down skip. C'est en essayant qu'on y arrive, parce que sans essayer on peut pas y arriver. De Riger, notez ça sur votre agenda et vous le répétez à votre prof. Il faut toujours continuer d'essayer, parce que c'est lorsqu'on arrête d'essayer qu'on ne peut plus y arriver. Il faut toujours y croire, car c'est lorsqu'on n'y croit plus que c'est impossible. Que ça devient impossible. Ah bah putain, tout ce qu'on leur a mis. Ok, bon, la compétition commence bien. Voilà, faut faire attention parce qu'il y a des voitures à la sortie des virages. Turbo, j'ai sauté au dessus. Oh, j'ai failli me prendre la voiture. Les objets font leur effet. C'est Peach là en deuxième position qui m'inquiète un peu. On va lui mettre une rouge dans la ligne du milieu. Elle l'a pas prise. Le blooper. Bon, c'est pas très fort le blooper sur Mario Kart Wii. On peut continuer à voir le terrain. Allez, plus qu'un tour. On a suffisamment d'avance pour breakaway, ça veut dire avance en gros. Break pour casser, away pour loin. Longue séparation. Ok, cette fois-ci j'ai réussi à faire l'esquive du pao. Aïe. Fais bien que ça arrive. Et voilà. On passe au château de Bowser. De Bowser. Motherfucking Bowser. Yeah, I'm Bowser, the motherfucking motherfucker. Respect my fire. I hired, you fired. J'ai raté les boîtes. Peut-être me prendre une rouge plus vite que je ramasse un objet. Parfait, j'ai les triples bananes. J'allais tomber dans le vide. On a Peach qui me talonne, elle me culonne, dédicace à F0. Les gars, regardez mes vidéos sur F0, vous allez dans ma chaîne, les playlists, vous cherchez la playlist F0 si vous aimez la sensation de vitesse. Vous allez être servi. Ouh, la chatage que c'est eu, j'aurais pu tomber dans le vide. Là, je commence à avoir la dalle, je vais manger après cette coupe, je mange. Il y a pas mal de trucs à faire en solo sur Mario Kart Wii. Si je m'entraîne, il y a moyen que je fasse des speedruns. Je pense pas que je suis quelqu'un qui est doué pour les speedruns. Mais ça pourrait être intéressant. Elle est plus qu'une course, c'est la route arc-en-ciel. C'est la plus dure. En plus, elle est punitive. Si tu te foires, tu tombes dans le vide. Mais avec les 45 points que j'ai, je peux me permettre d'arriver 2-3e. Là, c'est à la fin de 2, pas au début de 2. Est-ce que je peux faire le one jump? On va leur mettre un breakaway dans la face, ils vont rien comprendre. J'ai tout foiré. On va essayer de faire ce qu'on appelle le moon jump. Ah, le pauvre, il est intervenu au mauvais moment. On veut, genre ici on peut sauter dans le vide et c'est plus rapide que de prendre le turbo. Beaucoup du jeu de Mario Kart, ça se passe par le bouton dérapage, même plus précisément le bouton sauter. Ah, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide, tellement je l'ai pris serré. Vite, 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 vite! J'espère que j'aurai l'étoile. Ok, on a la foudre qui vient annuler la carapace bleue, ça c'est bien pour moi. Ah, c'est très dangereux de faire ça, mais il faut que je m'entraîne à le faire maintenant. Et voilà qui est fini. La coupe spéciale est terminée. 60 points sur 60. Je crois que les 4 coupes, on les aura fait 60. Les 8 coupes, on les aura fait 60 points sur 60. C'est l'heure de la remise des prix. Vous allez me rejoindre CBD. Que des petits. Ouais, j'ai eu l'étoile. Ok, ah, je vais pas vous mentir, là je suis chaud. Ah, mais il y a le générique de fin, parce qu'on a fini toutes les courses. On va le regarder. Non, c'est cool Mario Kart 8, c'est un super bon jeu. Je le trouve meilleur que Mario Kart 8. En termes de sensations de jeu, je trouve que tu as plus de sensations dans Mario Kart Wii que dans Mario Kart 8. J'ai joué rapidement à Mario Kart 8. Bon, je voulais pas le générique avec Koopa. Je vous laisse le générique. Mais après ça, on va s'arrêter. Je trouve qu'il n'y a pas assez de let's players qui laissent les génériques des jeux. On le verra plusieurs fois le générique. On va s'arrêter là, on va le sauter. Je peux pas le sauter. Je suis condamné à le regarder. Regarde-nous, on a fait le jeu, je te dis. Remercie les programmeurs. Remercie les course directeurs. Remercie les course designers. Dis-nous merci, fils de pute. Sans doute tu t'amuserais pas. Pour ça, le générique, il n'a pas duré longtemps non plus. Il a duré un tour de course. Ah, bah c'est pas fini. Mais ça, je pense qu'on peut le sauter, ça. Non, on peut pas le sauter. Bah, on va le regarder, au moins comme ça, ce sera fait. Les prochaines fois, je saurai que je peux le sauter. Si encore c'était des moments à nous, tu sais que là dans l'écran qui passerait, ce serait des moments à toi où tu as été premier dans les replays enregistrés, ce serait faisable. Hein. Juste le jeu, il enregistre chaque replay que tu fais en secret et il les garde à la fin pour faire comment ça s'appelle, le générique basé sur tes instants forts. Les moments où t'as fini premier, les moments où t'as dépassé le deuxième. Bon, moi, Mario Kart 8, je joue avec les cartes, alors que les motos, c'est meilleur. Parce que je m'en sors mieux avec les cartes. Mais la prochaine coupe, c'est 100. On fera les étoiles quand j'aurai fait toutes les coupes. On repassera par sur les coupes qu'on a déjà fait quand j'aurai fait toutes les coupes. Pour garder, on va dire, une continuité dans la difficulté. J'improvise comment ça s'appelle, mon parcours. En fait, c'est les courses des programmeurs, ça. Bon, moi, je vais manger. C'est le matin. Il me reste de quoi manger le matin. Des bananes, des pains au chocolat, des pains au lait. Donc, je vais me casser le ventre un peu. Enfin, c'est le matin. Je dis que c'est le matin, mais c'est le 1h du matin, plutôt. C'est le 2h du matin, maintenant. Le scénario? Quel scénario? Vous protégez votre scénario alors que vous avez pas de scénario. Mais putain les gars. C'est quoi ces conneries? C'est quoi l'histoire hein? C'est Peach, elle a trompé Mario avec Luigi. Donc Mario il défie Luigi dans des courses de voiture. Je te dis qu'il trace Luigi. Attendez, je vais voir un truc parce que ça, je savais pas. Maintenant, je peux faire carte et moto. Ah, non. Ah ouais, maintenant, je peux faire carte et moto. Est-ce que ça sauvegarde la progression des coupes? Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, non, on va refaire 50 cc, mais en moto. Carte et moto, on fera. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Mario Kart Wii, sur Wii, bizarrement, pas sur Wii U, pas sur Nintendo Switch, pas sur Nintendo DS, mais sur Wii, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.